Président, chers collègues, mesdames et messieurs, nous sommes réunis en cette soirée du Ramadan pour une cérémonie de remise des lots vestimentaires et de modestes contributions pour fêter dans la joie la Eid al-Fitr. Cette œuvre de charité conçue et organisée par le comité exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès couvre 1000 enfants issus de familles démunies sélectionnés au niveau des comités d'annexe. Une première du genre pour notre parti, dont les engagements étaient jusqu'ici politiques, en soutien aux actions de la majorité politique dont il est la cheville ouvrière. Notre famille politique, sous la direction éclairée de M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et président du parti, ne ménage aucun effort en matière de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté. Le but de l'action sociale de ce soir, béni de miséricordieux, est de contribuer à la joie des enfants et des parents pauvres grâce aux générosités des militants et des sympathisants du RPP, en particulier nos dirigeants qui ont en cette occasion solennelle la casquette de la société civile. En effet, les paquets de vêtements qui sont disposés ici à ma droite sont achetés avec des efforts individuels, désintéressés et apolitiques, comme il est prescrit à tout musulman accomplissant les 5 prières et les jeûnes du mois de Ramadan. Inscrire durablement dans les valeurs fondamentales de notre parti le troisième pilier de l'islam, c'est-à-dire l'aumône, tel est le message fort de cet événement qui sera encore plus grandiose la prochaine fois, avec plus de ressources et plus d'idées originales. Je vous remercie.